does history get erased? One erases history by stripping people of the truth about who they are and where they come from. Men and women were taken from their lands and their riches stolen from them. For months they traveled on ships. Some would not make it. They arrived to Latin America. These were people brutally tortured and used for economic gain in the name of development. They were enslaved and told they could no longer speak their languages or practice their religions. They were removed from the only homes they knew. Hundreds of years later, descendants would demand that these stories be excavated from the ruins, and thus began again the search for home. Afro-Latinos, the Untaught Story, is the recounting of a history that for too long has been left out of the historical text and narratives. There has been much study, research, and emphasis placed on the history of slavery in the United States. Over 12 million enslaved Africans were forcibly brought to Latin America, and an estimated 500,000 were brought to the United States over the span of 400 years. Why then is the African diaspora in Latin America not taught in educational institutions from elementary school to the university level? Many children and adults in Latin America do not know anything about Africa, buying into stereotypes, oftentimes unaware that it is a continent. Afro-Latinos are the descendants of enslaved Africans who were brought by force and dispersed throughout Latin America. Today, there are more than 150 million Afro-Latinos in Latin America, of which 90 million live in Brazil. But does this mean that only people who are black can claim African roots? For Latin Americans, there is something prestigious and honorable about identifying with being descendants of Europeans. What has been taught is that the royal bloodline from Spain is worthy of respect, pride, and honor. The indigenous is seen as something mystical and exotic, while the African root has always been associated with slavery, poverty, and all things black. History books refer to Africans only as slaves. There is no mention that some Africans in their territories were kings and queens or men and women of great wisdom, nor does it mention that African kingdoms themselves participated in the slave trade, trading slaves from other kingdoms with European settlers. This story cannot be told without starting in Africa. Contrary to popular belief, Europeans did not enter into the depths of Africa to kidnap people and turn them into slaves. African kingdoms dominated the territories, enslaving small groups of people from other kingdoms. Kingdoms such as Ashanti, Dahomey, Oyo, Benin, and Congo were some of the most powerful. When trade with Europeans began, it benefited the African royals, and the elites grew more powerful. From this trade, an estimated 100 million Africans were taken from Africa and dispersed among every continent. The colonizers knew exactly which humans were of value and had their pick of the finest Africans. The population of enslaved Africans came from many ethnic groups. The Africans who arrived in what is now known as Latin America came mostly from Central and Western Africa. Ethnic groups like the Mandingo, Ashanti, Ewe Fon, Mina, Nago, and Igbo were just a few of those brought over. Cuba was a gathering point for the Arara, Yoruba, Carabali, and Bakongo people. People from Carabali and Yoruba were also scattered throughout Latin America, though it was in Cuba that they came together and maintained their culture. Approximately 240,000 were Carabalis, 200,000 Araras, 400,000 Congoleses, and 275,000 Yoruba people would be enslaved and brought to Cuba, causing the fall of the Oyo Empire in Africa. The plan failed. They rebelled.
Enslaved Africans joined together and maintained religious practices as a form of resistance. The Bantu ethnic group was one of the largest groups enslaved. The Bantu had many subgroups, such as the Bakongos and others that were brought from Mexico to Argentina. This heritage is preserved in the Bantu songs found in Argentina. Un 65% de los traídos hacia Montevideo eran de origen Bantu, es decir, Angola, Mozambique, Congos. The Bantu influence is also seen in Haitian voodoo. The Palenquero language in Colombia also has its roots in Bantu. Pané nubo vira lengua suto. Maese tan acetrecusa. Monacito de Taquilán de Uriacuyo etan leuncusa de tradición sur. In Panama, they play and dance to los congos. Las tradiciones vienen de África y no solamente tenemos el baile congo, tenemos otros bailes. Pero el congo sí nace aquí en Portobelo. Es el baile que habló y que hizo muchas cosas para poder defender la libertad en su momento y lograr lo que hoy día somos. The Dominican Republic also has its congos. Eso es africano. Eso es de cuando lo esclavo. In a span of 400 years, an estimated 7 million enslaved Africans were brought to South America. 5 million were taken to Brazil. Over 4 million arrived to the West Indies, and 300,000 slaves were shipped to Central America. African women contributed greatly to the history and culture of Latin America. One way to honor these women is through gastronomy. In almost all Latin American countries, there is a dish of African origin. Markets like this one in Cartagena, Colombia, offer many foods of African descent. The coconut rice and fried fish are common in Afro-Latino areas. During the slavery era, African women cooked for their masters and prepared for them the best meats and fresh foods. The leftovers were used to feed themselves, the men, and the children. Honduras and Guatemala share the Garifuna culture, which has a distinct and unique history. Garifuna history begins in 1635, when a Spanish ship from Nigeria sinks near the island of San Vicente. These castaway Africans mix with the natives called Caribs and Arawak. This was the birth of the Garifuna people, indigenous Africans who were free in desolate areas. Their chief, Joseph Chatoyer, and his wife Barahuda were Garifuna leaders. On February 20th, 1797, over 5,000 Garinagu exiled from San Vicente to escape English rule. Only half of them made it to the island of Roatan, today known as Honduras. From there, the Garifuna people settled along the coast of Honduras, all the way from the town of Trujillo to the village of Masca. The Garifuna people migrated to the countries of Belize, Costa Rica, and Nicaragua, and to the towns of Livingston and Puerto Barrios in Guatemala. Today, there are about 45 Garifuna villages in Central America. The Dominican Republic, land of merengue and breathtaking beaches. Yet how many people know that English is the native language of some Dominicans? In the Dominican Republic, there were two different migrations of blacks, West Indians and African Americans. After the Haitian Revolution in 1804, the Haitian government welcomed African Americans to come to the island to help rebuild their country. With the desire to escape a racist United States, African Americans from Philadelphia and other U.S. coastal cities migrated to Haiti and the Dominican Republic. The Afro-Americans came from, they all left out from Philadelphia. Primer grupo fue de Haití,
después a Santo Domingo, luego el grupo de Samaná, y otro grupo se fue para Puerto Plata. In 1824, Haitian President Jean-Pierre Boyer financed a trip of North American blacks that wanted to live and work in Haiti. In all, 6,000 people reached the island of Hispaniola, and the African American culture brought to the Dominican Republic still remain in the area of Samaná. When a person from Latin America looks in the mirror, what do they see? The African presence is easily recognizable in the carnivals, festivals, celebrations, and music of Latin America, yet it is much more complex. Latin Americans have a diverse and varied DNA. 500 years and over 15 generations have passed since the Spanish conquest. What is the identity of a Latin American? Today, many people are still confused about how they should identify and what parts of themselves to include. There are many terms used to identify a person in Latin America. Most of these terms come from the caste system. The caste system came with the Spanish and was used to define and classify those of mixtures of African, indigenous, and Spanish blood. There are hundreds of variations in the caste system. There was a classification system implemented with a list of terms that varied by country. However, the most popular terms used were mestizo, indio, sambo, and mulatto. One of the most controversial terms is the use of the word negro or negra. This term brings some positive and negative connotations. Por ejemplo, cuando te dicen en la calle, ¡Hey, negra! Ahí pienso que hay discriminación aunque no seamos conscientes. ¿Por qué? Porque todos tenemos un nombre. ¿Por qué no? ¡Hey, chica! ¡Hey, muchacha! ¡Hey! But the issue of being black is deeper than just words. There are underlying truths and expectations that are spoken and unspoken about all things black in the Latino family. These racist ideas have been passed from generation to generation, teaching children how to marry well, being accepted in the world by marrying someone with finer features or lighter skin, discouraging them from marrying a black woman or man. What is the correct term to use to identify someone from Latin America with more melanin in their skin? African characteristics, features, phenotype, body type, and physical appearances are also identity traits. So if the physical traits are there, then why are so many people negating their Africanness and denying blackness? Mentira. The issue of good hair, bad hair, is also a way for people to identify themselves as Afro-Latinos, or as a way to completely deny all connections to Africa. Afro-Latinos, the untaught story, is Latino history. It is a legacy of more than 12 million enslaved Africans who were brought to Latin America, a people who made lasting contributions that are honored and celebrated 500 years later in religion, music, dance, literature, food, family, community, and culture. Afro-Latinos, the untaught story, is one of freedom, strength, and faith. People of African descent go back hundreds of years in Mexico, but as a group, Afro-Mexicans are largely invisible. A 2015 census is changing that. CCTV's Frank Contreras has insight from Mexico's southern state of Oaxaca. Among Afro-Mexican communities here on the Pacific coast of Mexico's Oaxaca state, this dance is symbolic. Locals say the devils represent the growing power of African descendants in this part of Latin America. It's a history that's beginning to gain global attention. The presence of Africa here in Oaxaca State is one of the lesser known aspects of the vast cultural diversity in this region, one of the most culturally diverse in all of Latin America. Last year, for the first time, the government conducted an interim census asking Mexicans, based on your culture, history, and traditions, do you consider yourself black, meaning Afro-Mexican or Afro-descendant? And nearly 1.4 million people responded, yes. Afro-Mexican communities exist here in Oaxaca State's Costa Chica region, the neighboring state of Guerrero, and Veracruz State, among others.
Cada quien. An Afro-Mexican leader from Pinotepa Nacional says, as a nation, Mexico is much more than just a mixture of Spanish and indigenous people. Creemos que todo el mundo debería de saber. We believe that the whole world should know that in the colonial era, Mexico was an entry point for African slaves. Our ancestors were forcibly brought here under slavery. But images of African descendants in Mexico rarely appear in public. The exception is this famous comic book character, Memín Pingüín, which was created in the 1940s. Nicomedes Ramirez and her cousin, Castula Silva, grew up in these impoverished coastal communities. Ramirez says over the years, politicians have come with their election year promises to end poverty. They told us they would help, and they would bring us basic things we were lacking. All we had to do was ask, but so far, they have done nothing for us. I never went to school because when I was a girl, there was no school here. We had to go to another community, and my parents, may they rest in peace, told me I could not go, so I never studied. Afro-Mexican communities are almost completely separated from the rest of Mexico, and very few outsiders ever come here for a first-hand look at their most well-known traditions, like this dance known as a chilena. Or this one, depicting a charging bull. Mexico's national constitution is the only one in Latin America that does not specifically mention the existence of citizens of African descent. Afro-Mexican authorities say they're planning to take legal action and change the constitution so that it includes them. By having no presence in the Mexican Constitution, there is no public policy that protects our rights and necessities. We, as Afro-Mexicans, like many indigenous Mexicans, live in regions of extreme marginalization. Constitutional recognition would finally give them access to medical services, educational grants, and social security benefits. For now, Afro-Mexicans, whose descendants came from places like Kenya, the Congo, and later the Caribbean, still do not enjoy these basic rights. Frank Contreras, CCTV, on the Costa Chica in Mexico's southern state of Oaxaca. Nous partons à la découverte de la culture Congo. On la trouve à Portobello, une ville située sur la côte caraïbe du Panama. Elle provient des anciens esclaves africains victimes du commerce négrier au XVIe siècle. Reportage de nos envoyés spéciaux Nathalie Sarfati et Massimo Bulgarelli. Portobello a été découvert par Christophe Colomb, qui, séduit par la beauté du lieu, lui a donné le nom de Beauport. Portobello a surtout été un centre névralgique pour le commerce de l'or et la traite négrière. Des milliers d'esclaves sont arrivés ici au XVIe siècle. De cette histoire tragique restent des vestiges comme ce bâtiment des douanes ou ce fort avec ses canons pointés vers la mer des Caraïbes. Reste aussi et surtout une culture, la culture Congo et sa gardienne du temple, Mama Hari. La plupart de ceux qui ont été emmenés dans cette région viennent du Congo. Tout ici est Congo. La langue, c'est Congo. Tout ce qui est fait, c'est Congo. Nous sommes Congo parce que nous sommes des Africains, des descendants d'Africains. Mama Hari est intarissable quand elle évoque les ancêtres et leurs souffrances pour bâtir ces immenses murs de corail. Les maîtres espagnols ont obligé les esclaves à s'immerger dans les profondeurs de la mer pour y couper ces coraux. 95% des habitants de Portobello sont d'origine africaine et la culture Congo fait partie intégrante de leur quotidien. Depuis 3 ans, ils ont même leur musée. Ici, on apprend comment les esclaves ont lutté pour leur liberté, comment ils ont adapté leurs connaissances traditionnelles à l'environnement local. Une histoire singulière qui a valu à la culture Congo d'être inscrite depuis novembre 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Toute la population est très fière de cette décision parce que c'est la reconnaissance d'une culture, c'est l'histoire de la lutte d'un peuple libéré de l'esclavage, devenu cimarron, qui se souvient de son histoire avec fierté. Nous espérons que davantage de visiteurs viendront, que beaucoup de gens s'intéresseront à l'histoire, à la culture et à la nature de Portobello. La danse est l'une des composantes les plus importantes de la culture Congo. Une danse, mais aussi une forme d'expression
pour dénoncer l'esclavage, évoquer les luttes pour la liberté ou encore parodier l'Église ou la couronne espagnole. Notre costume symbolise la liberté, celle pour laquelle le noir a tant lutté. La couleur de la robe représente la nature et la largeur évoque la liberté. Et le tour que nous faisons lorsque nous dansons, c'est le tour qui devait nous mener à la liberté. C'est pourquoi cette danse est libre, parce qu'elle nous mène à la liberté. La culture Congo se transmet de génération en génération. Les jeunes perpétuent cet héritage des esclaves africains. Ils sont les garants de leur histoire, ici, à Portobello. C'est ici, au cœur des bananeraies de Capesterbello en Guadeloupe, que vivent les Massimbo. Descendants des derniers Congolais débarqués des bateaux négriers dans les années 1860, on les appelle les Congos. Envers et contre tout, ils ont su préserver depuis plus de 150 ans les traditions, la musique et les chants de leurs ancêtres africains. L'histoire des Congos, les Congos d'ici, je l'ai su quand je suis arrivé. De toutes les façons, je savais qu'il y avait des Congos déportés vers ces îles-là, mais je n'avais aucune idée des Congos en Guadeloupe ou à Capesterre. À venir, les conséquences de l'esclavage dans l'histoire américaine. Et ce mois-ci, les États-Unis soulignent un tournant de leur histoire. L'arrivée des premiers esclaves en Virginie il y a 400 ans. C'est en août 1619 qu'une vingtaine d'Africains emmenés de force ont mis les pieds dans la jeune colonie britannique. Deux siècles et demi plus tard, au moment de la guerre de sécession qui a marqué la fin de l'esclavage, il y avait 4 millions de Noirs privés de toute liberté, à une époque où la population américaine s'élevait à 31 millions d'habitants. L'esclavage a depuis été aboli, bien sûr, mais les inégalités sociales sont encore loin d'être disparues. Raphaël Bouvier-Auclair est allé à la rencontre de descendants d'esclaves. Sous ces arbres de Virginie se trouvent les souvenirs d'un épisode fondateur de l'histoire du pays. Génération après génération, c'est ici que sont enterrés les membres de la famille Tucker, les descendants des premiers Africains à poser les pieds dans les 13 colonies britanniques qui allaient devenir les États-Unis. It means a lot that is being remembered, that how they came against their will to this country 400 years ago. C'est important, dit-elle, de se souvenir qu'il y a 400 ans, on les a forcés à venir dans ce pays. Comme une vingtaine d'autres passagers, leurs ancêtres Isabelle et Anthony étaient originaires de ce qui est aujourd'hui l'Angola. I know how I would feel if I had to go, if I was taken from this country in some place else and I didn't know anything about it. So I can imagine how they felt, but they didn't give up when they got here. Leur arrivée à la fin août 1619 marque pour plusieurs le début d'un long et sombre chapitre de l'histoire américaine. Un système économique fondé en partie sur l'esclavage qui a duré près de deux siècles. Des histoires, des luttes qui ce mois-ci ont été soulignées. Une commémoration importante selon cette historienne. Il y a bien des endroits, même ici, dans cette zone, où les gens ne veulent pas parler de ça. Où les gens se plaignent, par exemple, du fait qu'ils vont visiter une plantation et qu'on parle de l'esclavage. Donc, cette reconnaissance est un élément important en ce moment. Pour de nombreux Afro-Américains, l'arrêt est donc important et solennel. A little happy, a little sad, you know, a little angry, you know, a lot of mixed up emotions. Cet homme dit par exemple ressentir toutes sortes d'émotions. Au-delà du devoir de mémoire, il y a aussi la réflexion. Yes, I think that the slavery still lingers in America. I think that we're still suffering from the effects of slavery. Je pense que nous souffrons toujours des effets de l'esclavage, dit-elle, évoquant notamment des enjeux de pauvreté.
Encore aujourd'hui, aux États-Unis, les familles afro-américaines peinent à atteindre le niveau de prospérité des familles blanches, dont la richesse est généralement 10 fois supérieure. Comment y remédier? En juin, le Congrès a tenu des audiences historiques sur un débat qui persiste, celui autour des indemnisations financières aux descendants d'esclaves. Un outil qui, selon certains, permettrait d'affronter des problèmes contemporains. And there is, of course, the shame of this land of the free, boasting the largest prison population on the planet, of which the descendants of the enslaved make up the largest share. Combien de citoyens devraient être compensés et quel montant serait nécessaire? Aucune somme n'est officiellement avancée, mais des études évoquent des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. L'idée est donc loin de faire l'unanimité, tant chez les élus qu'au sein de la population. If we were to pay reparations today, we would only divide the country further, making it harder to build the political coalitions required to solve the problems facing black people today. Le grand élément positif de tout ça, c'est d'amener ces débats dans l'espace public. Mais selon elle, cette conversation est bien loin d'être terminée. Mais la réalité, c'est qu'aucune des sociétés où il y a lieu de l'esclavage, soit aux États-Unis, soit dans les Caraïbes français ou britanniques ou le Brésil, aucun de ces endroits, il n'y a jamais eu un groupe d'anciens esclaves qui a obtenu des réparations. Au-delà du débat politique, il y a aussi la reconnaissance du rôle joué par les ancêtres des Tucker et tous les autres. To understand what a strong and proud people that we come from. And it's not just the Tuckers, but all those who are related or come through the African line. We have a lot to be proud of that we're still here, that we added so much value to the building of this country. Une histoire que la famille s'assure d'entretenir avec soin. Gloire, honneur, puissance au Père créateur des cieux et de la terre, Tatanzambi Amazulu, au nom puissant de Isaiah Kongo, notre roi qui vient bientôt nous rassembler, l'archange Kongo qui revient bientôt pour rassembler son peuple comme promis dans le Kongo. Que le Tout-Puissant ait pitié de son peuple, surtout des élus de son peuple et surtout nos captifs qui sont parmi les nations. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis. Nous revenons bientôt avec une nouvelle vidéo qui va révéler des grands, grands, grands secrets. Des très grands secrets que vous ne connaissez pas. Donc, c'est toujours dans cette campagne d'amener notre peuple à la grande spiritualité, Congo, que le Tout-Puissant nous a révélé et que nous voulons vous partager dans les paraboles. Parce qu'il ne faudra pas que l'ennemi comprenne ce qu'on va vous donner comme des paraboles et des secrets. Il faudra que l'ennemi continue à être baigné dans la distraction, dans l'ignorance, dans tout ce qui n'est pas spirituel. Mais vous, les Bantous, peuple élu, partout où vous êtes, soyez éveillés, soyez attentifs. Ne vous laissez pas entraîner par des distractions. Soyez spirituels. Écoutez toutes les instructions qu'on vous dit. Ok, souvenez-vous de nos paroles. Souvenez-vous de la justice de Congo. C'est ça qui nous sauvera. La justice de Congo. Ok, écrit dans le coma. Attachez-vous au coma. Souvenez-vous de la justice de Congo et mettez en pratique la justice de Congo. C'est ainsi que vous sauverez votre âme. C'est ainsi que vous serez sauvé. Ok. Donc, mes frères et sœurs, soyez bénis. Donc, comme vous avez vu ces reportages que nous avons pris, vous avez constaté que vous-même, si vous avez bien compris ce reportage, bien que ce soit en anglais, mais il y a une traduction, pour ceux qui vous pouvez faire une pause si vous ne comprenez pas la traduction, parce que cela vous aidera à comprendre les prochaines vidéos des secrets qu'on va vous révéler. Parce que si vous avez constaté dans les vidéos, il y a deux types d'esclaves. Il y a les esclaves kamites et il y a les esclaves bantous, notamment les bakongo. Donc, vous avez constaté cela. Si vous avez bien vu la vidéo, vous avez vu qu'il y a des Congos éparpillés un peu partout. Et dans les vidéos que nous avons publiées, il y a même des Congos au Moyen-Orient, en Iran, que ce soit en Turquie, en Inde, qui sont allés même en Inde, jusqu'en Inde, en esclavage, et qui sont toujours captifs. Donc,
Mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de versets que nous allons vous partager avec vous. Donc, nous allons aller dans le coma. Donc, ce que je devrais vous faire comprendre avant qu'on publie la grande vidéo, parce que ça, c'était juste un avant-goût pour que vous compreniez la vidéo qui va venir. Donc, il faudra que vous sachiez qu'il y a deux types d'esclaves qui vont être ramenés. Deux types d'esclaves. Soyez attentifs. Les premiers esclaves, les deux premiers esclaves qui seront ramenés, il y aura des Égyptiens qui seront ramenés. Ézéchiel chapitre 29, verset 14. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, à où ils formeront un faible royaume. Verset 15. Ça sera un moindre royaume, ils ne se leveront plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, c'est-à-dire qu'il réduira le nombre des Égyptiens. Il les rendra leur démographie faible. Ok? Parce que quand on rend la démographie d'un peuple faible, c'est que ce peuple a un problème. C'est que le Tout-Puissant ne veut pas que ce peuple se multiplie. Il rendra leur démographie faible. C'est ce que parle l'archange Congo quand il revient là. Afin qu'il ne domine pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Isolélé, Bantou, un sujet de confiance. Donc, ce royaume ne sera plus un sujet de confiance. Pourquoi ? Il va continuer, il lui rappellera son iniquité. Donc l'iniquité des Bantous est attachée à l'iniquité des Africains, à l'iniquité des Égyptiens. Souvenez-vous ce que je vous avais donné dans Lévitique chapitre 18, versets 1 à 4. Ne suivez pas les pratiques des Africains, des Égyptiens. Souvenez-vous. Donc si ils sont allés en captivité, ça veut dire que c'est à cause de leur de l'iniquité, du fait que les Bantous ont fait confiance en eux. Le Tout-Puissant a envoyé à la fois ceux en qui les Bantous ont fait confiance, c'est-à-dire les Égyptiens, les Africains, et les Bantous qui ont fait confiance à ces Africains-là. Donc, il dit que, au verset 16, « Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Isolélé un sujet de confiance, il lui rappellera son iniquité. » Donc, vous commencez déjà à rappeler l'iniquité qui existe. Parce que si vous voyez la vidéo que nous avons publiée dans la deuxième chaîne, beaucoup des frères et sœurs étaient écœurés. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas. Même moi, je vous avoue que je ne savais pas que ces pratiques se pratiquaient chez les Ouest-Africains. Je ne savais pas. Seulement un jour, l'archange Congo m'a demandé d'aller sur Internet et m'a commencé à m'orienter pour voir certaines vidéos. Et c'est là où j'ai découvert un peu le culte des phallus, tout ça comme ça, la sodomie des petits garçons qui se font dans les traditions ouest-africaines, dans des danses. Et c'est ce que je vous ai publié dans la deuxième chaîne. J'étais écœuré, je ne croyais pas que ces choses-là se pratiquent en Afrique. C'est la haute sorcellerie qui se fait en secret dans les lieux occultes. Les lieux occultes, que ce soit la franc-maçon, que ce soit la franc-maçonnerie plutôt, ou la Rose-Croix, ou dans d'autres secteurs et de mythes. Donc voilà. Et il dit ceci, que nous sommes dans Ézéchiel chapitre 29. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Isolélé un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis Congo. Je suis Congo. Ok. Donc ici on apprend que les captifs africains, égyptiens, que ce soit du Nigeria, du Togo, du Bénin, ils seront ramenés aussi là où ils auront un petit royaume, et là où Congo va réduire leur démographie. Donc c'est en substance ce que dit l'archange Congo. Maintenant, d'autres captifs qui seront ramenés, il dit ici, c'est son peuple. Donc ça vous connaissez déjà dans Sophonie chapitre 3, on va aller. Sophonie chapitre 3, verset 10, il dit, « De là des fleuves de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des offrandes. » On a déjà fait comprendre cela. Les offrandes sont des exigences de la loi mosaïque. Et Congo exigera de son peuple qu'ils apportent des offrandes. Et ça, Ésaïe 66, verset 20, appuie ce même verset. Ésaïe chapitre 18 parle de la même chose, que le peuple qui était là du fleuve de l'Éthiopie apporteront des offrandes selon les exigences de la loi mosaïque. Ézéchiel chapitre 20, verset 40, dit la même chose. Et le livre de Malachi, Malachi chapitre 3, tout le chapitre en substance parle de cela, que
le peuple bantou est appelé à porter des offrandes. Donc nous voyons que c'est un rendez-vous auquel le peuple bantou doit participer. Et le verset suivant dit que en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir, notamment à avoir honte, c'est le mot, de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Donc ce peuple coupable d'avoir péché contre le Tout-Puissant. Alors je te rends du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance, tu n'auras plus à ton orgueil sur ma montagne sainte. Donc ce peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, voilà, un rendez-vous dans la montagne sainte qui est Ntiyani. Ntiyani en langue kongo, ça veut dire terre à lui, quoi. Terre à lui. Ntiyani. Donc vous voyez même l'expression bantou, c'est l'expression sémite, ça va du gauche vers la droite. Ok? Donc, Ntiyani, on ne dit pas Yaniti, comme en français, Mai Mono. Ils disent toujours le contraire, du sens inverse. On vous a déjà fait comprendre cela. Donc, ce qui est important, c'est le verset 20. Ils disent, si en ce temps-là, je vous ramènerai, il ramènera son peuple parce qu'ils ne sont pas chez eux. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Il va les rassembler, pourquoi? Parce qu'ils sont dispersés. Il les appelle, mais dispersés. En ce temps-là, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Donc, les gens reconnaîtront que les peuples du Dieu véritable, et c'est eux. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Congo. Donc, il dit que quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Congo. Maintenant, on va connaître qui sont ces captifs qu'il ramènera sous nos yeux. Donc, nous voyons qu'il y a deux types de captifs. Nous avons lu tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 29, verset 14, on parle des captifs égyptiens qui seront ramenés aussi. Et ici, dans Sophonie chapitre 3, verset 20, on parle des captifs bantous qui seront ramenés. Donc, souvenez-vous de Jérémie chapitre 9, verset 29 à 26. Donc, on parle des punitions des nations. Le premier à être puni, on sait que c'est les Égyptiens. L'esclavage a commencé en Afrique de l'Ouest avec les Égyptiens. Et ça a descendu vers l'Afrique centrale, là où c'était les dispersés de Jacob. Donc, on a vu que c'est Judas qui était concerné. Judas, c'est un autre mot qui veut dire Yaoundé, parce que la lettre J est une invention. Le mot Judas vient du mot Yaoundé, et le mot Yaoundé vient du mot Yandi, qui signifie le désigné. Donc, c'est le désigné en langue Congo. Yandi, c'est le désigné. Et ce même mot a un autre sens très spirituel, qui veut dire Yenda. Yenda en langue Congo, Yenda ça veut dire celui qui part, celui qui doit partir. Partir où? Celui qui devait partir en esclavage. Donc on voit que ce terme, même dans son terme étymologique, c'est un nom prophétique. Celui qui devait partir en esclavage. Yenda. Yenda, Yandi, le désignait Yaoundé. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que nous voyons ici. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va aller, pour bien savoir qui est en esclavage, pour connaître un peu. Donc on va aller dans Deutéronome, la prophétie de Massa, Deutéronome chapitre 33, verset 7. On va aller dans Deutéronome chapitre 33, verset 7. Vous prenez vos Bibles. On dit ceci que nous sommes dans Deutéronome chapitre 33, verset 7, mes frères et sœurs. Voici sur Yaoundé, c'est-à-dire Judas, Bena Congo, Bena Yandi. On dit ceci parce que lui, il porte le nom de Congo. Il avait la responsabilité d'être juste. Parce qu'en lui, se logeait dans la demeure de Yaoundé, il y avait quoi? Parce que c'est la tribu du sud. On trouvait les Nzaba, c'est-à-dire les sacrificateurs. On trouvait en lui les Ngunza, les connaisseurs. On trouvait les Nabi, on trouvait les Mani, les gouverneurs. On trouvait les Mani, donc il avait une grande responsabilité et la royauté était entre ses mains aussi. Donc c'est pourquoi Yaoundé était responsable de tout le peuple bantou. Donc on dit ceci que, au verset 7, voici sur Yaoundé, c'est-à-dire Judas, ce qu'il dit, écoute, ô Congo, la voix de Yaoundé. C'est Yamasa qui dit, hein, écoute la voix de Yaoundé et ramène-le vers son peuple. Il demande que Congo ramène Yaoundé vers son peuple parce qu'il voit une prophétie. Massa est en train de voir une prophétie sur la captivité de Yaoundé. Il dit ramène-le vers son peuple. Et il va dire quelque chose d'intéressant. C'est pourquoi il faut être attentif au commun. Il dit que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Contre ses ennemis.
Donc on voit que Yaoundé est entre les mains de ses ennemis. Il est entre les mains de ses ennemis. Retenez bien le mot ennemi. Et ça, Yilimaya va vous le confirmer dans le livre des Lamentations. Lamentation, ça veut dire tristesse. Ça veut dire la tristesse. Lamentation, chapitre 1. Donc c'est là où on commence à détecter quels sont les captifs des Bantous qui va ramener en masse. Notamment, vous avez entendu vous-même dans le reportage, les Congos sont dispersés partout. Les Congos, ils ont gardé leur tradition, ils sont dispersés partout. Ok? Parce qu'ils portent le nom de l'archange Congo. Ils avaient une grande responsabilité. Donc, nous sommes dans Lamentation chapitre 4, verset 3. On dit ceci que Yaoundé est en exil. Dans d'autres versions, il est en exil, c'est-à-dire il est hors de son lieu d'habitation. Il est en exil, victime de l'oppression, c'est-à-dire il est victime de l'oppression, parce que quand on parle d'oppression, on parle de l'oppresseur. On dit, et d'une grande servitude, une grande servitude. Servitude, ça veut dire esclavage. C'est-à-dire qu'il est victime d'une grande servitude. Ça, c'est la vision de Yilimaya, de Jérémie. Yilima veut dire en langue Congo, celui qui fixe, celui qui arrange. Ok? Il habite au milieu des nations. Donc, on voit qu'il est au milieu des nations. Le mot nation, ça veut dire en langue ngalophone, ça veut dire bango. C'est-à-dire les autres, ceux qui ne sont pas nous, quoi. Les autres, bango, lengo, quoi. Donc, il n'y trouve point de repos. C'est-à-dire qu'il ne trouve point de repos parce qu'il est soumis à un travail difficile, couper les cannes à sucre. C'est ce qu'on a vu avec les esclaves qui ont travaillé des siècles et des siècles sans un rendement, sans un salaire. Et d'ailleurs, on vous a prouvé dans la vidéo passée qu'on a vu le bénéfice qu'on a tiré beaucoup des Occidentaux qui se sont enrichis, notamment ceux qui s'appellent juifs actuellement, qui détiennent les banques. Ils ont eu des taux d'intérêt de 300% pour une vente d'esclaves seulement. Et parfois, ils vendaient des esclaves à crédit. Donc, vous voyez, la méchanceté de Amalek, la méchanceté des dômes, là où est allé. Ok, mes frères et sœurs. Donc, on dit ici que il habite au milieu des nations, c'est-à-dire il n'est pas au milieu de son peuple. Comme Massa avait vu, c'est la prophétie que Massa avait vue. Il avait vu que les Congos ne sont plus. Il avait vu une partie des Bas-Congos qui sont entre les mains des ennemis. Et il s'est dit que Congo, souviens-toi, vous avez lu tout à l'heure dans Deutéronome chapitre 33, verset 7. La prophétie, ça veut dire vision. Ça veut dire vision, c'est intéressant. Le coma est tellement beau que vous ne pouvez que croire à ça, parce que le coma vous amène, le kimino chez nous, c'est la foi, quoi. Ça vous amène à la foi, parce que c'est expérimental, c'est historique, c'est des choses qui se sont passées, c'est ce qui se sont écrits des siècles et des siècles, mais qui s'accomplissent. Donc vous voyez, on dit que Yaoundé est en esclave, est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, c'est-à-dire des Bangos. Il n'y trouve point de repos parce qu'il est soumis à beaucoup de travaux difficiles et sans salaire. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Ils l'ont surpris dans l'angoisse. Le chemin de Ntsiyani qui est Salama, Ntsiyani qui est la nouvelle Salama, les chemins de Ntsiyani sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes les portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées. Elle est remplie d'amertume. Donc, on est dans la tristesse, là. Ses oppresseurs, c'est-à-dire les oppresseurs des Yaoundé, Bena Congo, les Yaoundé, Bena Congo, les Bena Yandi, c'est-à-dire son fils. Quand on dit Bena Yandi, ça veut dire que... Bena Yandi, ça veut dire le fils à lui, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le fils de Congo, Bena Yandi. Parce que là, il est dans le Yenda. Vous comprenez? Yenda, c'est-à-dire il est parti. Il est parti. Il est parti, Yenda. Il est parti en esclavage. Donc, on dit ici que ses oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Ok? Car Congo l'a humilié. L'a humilié. Est-ce que vous comprenez le mot humilié, ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Congo l'a humilié. Retenez bien ce mot. Congo a humilié qui? Les Bas-Congo. Ses ennemis prospèrent.
Donc là où sont les Bakongo, vous avez vu même le reportage. Ils sont en éparpillant l'Amérique latine, en Amérique centrale, jusqu'en Amérique du Nord qui prospère. L'Amérique du Nord, il y a plein d'argent en Amérique. Je suis allé à New York, j'ai été surpris de voir les... J'ai cru que c'était des Congolais. J'ai parlé lingala avec eux, ils me disent qu'ils ne comprennent pas lingala, ils sont américains. Parce que je voyais le visage, je reconnais les nôtres. Je vois le visage, je crois que... Are you a Congolese? No, 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 I'm not Congolese. I'm a US citizen. Ça veut dire que je suis un citoyen américain. Ah, j'ai compris que c'est des enfants des anciens esclaves. Ça m'a surpris, des visages qui ressemblent à ma famille, des regards. Et même quand je reviens en Europe, je constate il y a des filles qui viennent de la République dominicaine qui ressemblent à nos tantes, Mankwelolo. Donc je vois Maloko, donc je vois des visages qui ressemblent aux nôtres. Je me pose des questions. Pourquoi ils sont allés dans une telle souffrance? Pourquoi Congo les a envoyés dans une telle souffrance? Pourquoi Congo a envoyé aussi les Égyptiens? Parce que nous avons suivi les mots. Donc il envoie ceux dont vous avez confiance, parce qu'on parle de confiance ici. Le mot confiance est très important. En hébreu, vous savez le mot confiance c'est quoi? C'est biteka. C'est ce qu'on appelle, ça vient du mot biteka en langue. Ça, on vous expliquera la profondeur de ce mot. Donc, on dit ici que ces oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Qui sont ses ennemis? C'est tous ces peuples édomites. Vous avez les Édomites, vous avez les Espagnols. C'est qui les Espagnols et les Portugais? Mais c'est qui les... Vous savez qu'avant même l'esclavage, vous savez qui avait occupé les Portugais et les Espagnols? C'était les Berbères. C'était les Berbères, mes frères et sœurs. On vous a révélé ça, vous voyez? Les Berbères sont partout, là. Ils s'introduisent. Les Berbères. Retenez bien ça. Si vous connaissez l'histoire... On vous a expliqué l'histoire, mes frères et sœurs. Soyez attentifs des mots berbères, là. Ils se disent juifs. Ils sont devenus juifs. Les berbères. Ils avaient envahi l'Espagne. Ils avaient envahi le Portugal. Ils connaissaient qui étaient les anciens juifs. Ils les connaissaient. Donc, on dit que ces oppresseurs triomphent. Ses ennemis sont en paix. Car Congo l'a humilié à cause de la multitude de quoi? De ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. C'est ce qu'on appelle, ont marché quoi? Captifs devant l'oppresseur. Donc si on revient dans Sophonie chapitre 3, Sophonie chapitre 3 verset 20, on a identifié qui sont les captifs là. 3 verset 20, on dit ici que en ce temps-là, je vous ramènerai, on dit aux peuples qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie, en ce temps-là, je vous rassemblerai, on ne peut que rassembler ceux qui sont dispersés, mes frères et sœurs. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Pourquoi? Parmi les nations, parmi tous les peuples de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Les captifs, là, on a identifié, c'est qui? C'est les Kogo. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les Benayani. Ceux qui ont subi le Yenda. Est-ce que vous commencez à comprendre le secret? C'est ça le secret, mes frères et sœurs. Donc, vous identifiez ici que Congo, à son retour, ramènera deux captifs. Les captifs africains, il va diminuer leur nombre. C'est ça le secret. Il va diminuer leur nombre parce que c'est un peuple qui a fait un grand, grand péché. Il a incité son peuple au péché. C'est pourquoi il va réduire la démographie des Kamites. Maintenant, en ce qui concerne les Bantous, il dit ici que je ramènerai vos captifs. Il y a deuxième captif, c'est les Bantous. Et qu'est-ce qu'il fera les Bantous? Est-ce qu'il va réduire aussi leur nombre? Il va augmenter. On va aller dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, il dit ceci. Ok. Voilà. Et on va commencer à partir du verset 22. Ézéchiel 37, verset 22. Prenez vos Bibles, vous lisez Ézéchiel 37, verset 22, mes frères et sœurs.
Donc on dit ceci que ils, mis pour les bantus, ne se suivront plus à part leur idole. On commence à partir 22, c'est mieux. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Isolélé. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Deux nations, les deux nations dont on parle après la mort de Salam a eu un split, hein, une séparation. Les Bantous Bakongo se sont répliés au sud et les Bantous Ngala se sont allés au nord, c'est les autres tribus Bantous, quoi. Et puis pour vous rappeler, le mot Ngala, ça veut dire ce qu'on a rejeté, quoi. Donc ça, c'est relatif à Jérémie chapitre 4, verset 8. On vous expliquera ça plus tard. Donc on n'est pas dans le sujet. On dit ceci: je ferai de vous une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Isolélé. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ce que je viens de vous expliquer. Ils ne se suivront plus par leur idole, donc par leur abomination, par leur transgression. Souvenez-vous, hein, c'est à cause de nos transgressions que il nous a dispersés. Et si vous lisez dans Sophonie chapitre 10 verset 11, il parle des transgressions dont nous sommes coupables. Et si vous avez remarqué vous-même les pratiques, si vous êtes honnête, mes frères et sœurs qui sont ici devant nous, vous avez vu la vidéo sur notre deuxième chaîne, vous n'avez pas été choqués? C'était choquant, mes frères et sœurs. Vous voyez les pratiques des Kamites, le culte phallique, la sodomie, ils se sodomisent et ils initient les petits garçons à la sodomie. Et il y avait encore des pires, des pratiques pires que pratiquaient les Cananéens. Ils brûlaient leurs enfants, dit la Bible. Vous comprenez, c'est des pratiques qu'ils donnaient à Moloch, une divinité. Donc, vous voyez des pratiques. Si vous lisez bien le livre de sagesse de Salomon, vers la fin, le dernier chapitre, vous verrez des pratiques abominables que faisaient les Cananéens. Donc, mes frères et sœurs, c'est choquant. Quand je vois ce que le peuple a fait, quand vous voyez le niveau de la sorcellerie au Congo, vous comprenez que ces pratiques-là viennent des Kamites. Les Kamites ont appris au Bantou le Kindoki. Le mot Kindoki, ça veut dire Ndoki, ça veut dire, ça vient du mot Kongo, Ndoko. Ndoko, ça veut dire maudire. Et cette forme de malédiction s'exprimait par en Égypte antique, comme on vous a présenté dans les documentaires qui ont été faits, dont on a prouvé le peuple des poupées avec des piquants. Hein. Comme les poupées vaudou qui existent toujours dans les pays ouest africains, notamment l'empire Oyo, qui était le socle. C'est le socle de la sorcellerie. C'est la grande sorcellerie au Bénin, Togo. Vous allez dans les marchés là-bas, ils vendent des fétiches de toutes sortes. Si tu veux un bonheur, le mari, le tout ça, ils vendent des têtes d'animaux dans les pays ouest africains, notamment Bénin, Togo. Ils ont des marchés spécialisés dans les fétiches. Voilà, vous comprenez. Donc, poupée vaudou, quand on met un piquant sur une personne, ça atteint la personne, quoi. Vous comprenez, la personne souffre, la personne est maudite. C'est ça le ndoko. Le ndoko. C'est pourquoi vous avez le mot ndoki qui vient de ndoko. C'est une malédiction, c'est maudire une personne, ce n'est pas une bonne chose. Donc, l'archange Kongo était en colère par le fait que les Bantous n'ont pas respecté ses ordonnances, ne suivaient pas les pratiques des Égyptiens. Mais les Bantous ont été un peuple obstiné qui n'en ont fait qu'à leur désir. Vous avez vous-même lu dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Ils n'ont pas écouté, ils ont continué à suivre en secret les pratiques des Kamites. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit encore les mêmes Kamites qui veulent pousser encore le peuple. On a déjà subi plein de choses, l'esclavage, la colonisation. On est en train de continuer à souffrir, on est en train de réveiller le peuple, de faire sortir le peuple de tout ça. Mais voilà qu'il se manifeste des Kamites encore pour nous faire revenir. Donc vous voyez un peu ce qui se passe, mes frères. Donc c'est ça, quoi. Donc il dit que le peuple bantou ne se suivront plus par leur idole, par leur abomination, par toute leur transgression. J'ai le retirerai de tous les lieux qu'ils ont habité, où ils ont péché. Je les purifierai. Donc, il va purifier son peuple. Ils seront mon peuple. Donc, c'est après la purification que Congo pourra appeler ce peuple-là mon peuple. Et je serai leur Dieu.
Ça, c'est l'archange Congo qui dit, je serai leur Dieu, je serai votre Dieu. Mon serviteur Dawidi, qui sera ressuscité, sera leur roi. Et ils auront un seul pasteur, c'est-à-dire un seul guide. Ils suivront mes ordonnances. Ils observeront mes lois. Donc la loi n'est pas finie, il y aura des lois. Ok? Et les mettront en pratique. Verset 25. Ils habiteront le pays que je donnais à mon serviteur Yakouba. Et quand habitaient vos pères, et ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Mon serviteur à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Mon serviteur Dawid y sera leur prince pour toujours. Maintenant, écoutez avec le verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de quoi? De paix. Le salam. Salam, ça veut dire d'accomplissement. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Une alliance éternelle. Écoutez bien les mots en leur sens. Éternelle avec qui? Son peuple. Je les établirai, je les multiplierai. Donc, il va les multiplier. Quand il dit qu'il va multiplier son peuple, il va les multiplier. Parce que souvenez-vous, avec les Kamites, il dit qu'il va les ramener, mais il va diminuer leur démographie. Mais les Bantous, eux, il va les multiplier. Vous voyez la différence? Il va diminuer le nombre des Kamites, il va les réduire en petite démographie. Et son peuple aura une grande démographie. Il va les multiplier. Donc, quand on multiplie un peuple, c'est que, voilà quoi. C'est qu'il y aura des femmes, et puis il y aura des relations sexuelles, tout ça comme ça. Il y aura des enfants, parce qu'on parle des enfants ici. Donc, ça sera une phase transitoire pour amener le peuple à quelque chose de plus fort. Je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux. Deux, pour toujours. Donc ça veut dire que son sanctuaire, c'est-à-dire le nouveau royaume, sera au milieu d'eux. Ma demeure sera parmi eux. C'est la nouvelle Salama qui vient du ciel, qui n'aura que deux hommes. Parmi eux, pas parmi deux d'autres peuples. Et il dit, je serai leur Dieu, et ils seront quoi? Mon peuple. Et les nations sauront que je suis Congo, qui sanctifie Isolele, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux. Ça, il a dit dans Sophonie chapitre 3, et on va finir par ça parce qu'on a une grande vidéo à vous montrer, à préparer là pour vous, mes frères et sœurs. Donc on dit que, ok, de quel peuple on parle? D'au-delà le fleuve de l'Éthiopie, de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes qui sont les exigences de la loi mosaïque. En ce temps-là, tu n'auras plus à avoir honte, dans des bonnes traductions, pas rougir, de toutes les actions par lesquelles tu as transgressé ou péché contre moi. Alors, j'ôterai du milieu de toi tous ceux qui s'enorgueillaient avec, tous ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu n'auras plus, tu ne t'enorgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble. Ça, c'est les élus qu'il va choisir. Et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de Kourou. Les restes du soleil, c'est-à-dire les élus du soleil, ne commettront point de péché. Ça, on l'a vu déjà dans Apocalypse chapitre 14, on parle de 144 000. On vous a expliqué cela. Ils ne diront point de mensonge, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils péteront, ils se reposeront, et personne ne les trouvera. Troublera. Donc ils vivront en sécurité. Pourquoi ils vivront en sécurité? Ils demandent, pousse des cris de joie, fille de Ntiyan. Pousse des cris d'allégresse, Isolele. Rejouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Salama. Congo a détourné tes châtiments. Donc c'est la fin des souffrances des Bantous. Des punitions, quoi. Châtiments, punitions que nous avons suivies à cause de notre transgression. C'est la fin. Il a éloigné ton ennemi. Ton ennemi, c'est Edom, quoi. Parce que Edom ne sera plus, et les Ishmaélites non plus. Parce qu'ils ont, ils doivent payer. Le roi d'Isolele, Congo, est au milieu de toi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on a lu dans Ézéchiel chapitre 37. Tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc, il n'y aura plus de malheur. Il n'y aura plus de malheur, c'est-à-dire la mort, les maladies, tout cela, c'est fini. Parce que Congo est au milieu de nous.
Voilà, si tu es malade, pouf, tu es guéri. tu es mort, oh, pouf, on te ressuscite. Donc voilà. En ce jour-là, on dira à Salama, ne crains point, Tiani, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Congo, ton Tout-Puissant, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il est au milieu de toi. Il a dit qu'il sera au milieu de son peuple. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi ta plus grande joie. C'est-à-dire, ce qui nous attend, vous les Bantous, vous et nous, ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est une grande joie. Et on a dit bien dans la Bible, une joie éternelle, ok, qui n'a pas de fin. Donc voilà, il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Très belle phrase. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Là, il parle donc, notamment, vous voyez qu'il a humilié l'opprobre, ça veut dire la honte. Humilier, c'est avoir honte. Souvenez-vous, les Congos ont été humiliés dans l'esclavage. Vous avez lu tout à l'heure dans Lamentation chapitre 1, verset partie de 3 à 5. Ils ont été humiliés. Hein. Donc, il parle de l'opprobre qui pèse sur les Bakongo, les Congos qui ont été humiliés, qui sont allés en esclavage avec des slips, torse nus, qu'on a vendu comme des marchandises, qu'on a traité comme des chiens, qui ont travaillé 400 ans sans rien, et toutes les souffrances, je ne vous fais pas un dessin. Donc, voici, on dit ici que, voici 19, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Donc, Congo agira contre tous les oppresseurs des Bantous. Oppresseurs, quand on parle d'oppresseurs, on parle d'oppression. Tous ceux qui nous ont fait du mal, notamment Edom. En premier, il y a Ishmaël qui a fait l'esclavage de l'Est, Edom qui a fait de l'Ouest, Edom a même fait encore de l'Est aussi. Et souvenez-vous, on vous a montré, livre à l'appui, la participation des Cananéens Oromo, des Cananéens Somaliens dans la vente des Bantous. Ils vendaient les Bantous aux marchands portugais. On vous a montré cela. Des livres qui viennent de leur propre bibliothèque, écrits avec l'accord des écrivains, avec des historiens européens. On vous a publié ça, vous pouvez aller dans notre deuxième chaîne, on a une vidéo sur ça. Donc mes frères et sœurs, nous avons des oppresseurs aussi, d'autres Cananéens, des Tutsis notamment, qui massacrent beaucoup de Congolais à l'est là-bas, et ils devront rendre des comptes. Ils devront rendre des comptes et ça sera mieux vaut ne pas naître de ces peuples. Parce que quand tu as l'ADN de ce peuple, tu devras subir. Ok? C'est pas un problème, le jugement est global. Si tu fais partie de cette nation, tu dois subir. C'est comme ça qu'agit l'archange Congo. Quand il a tué tous les premiers nés d'Égyptiens, il n'avait pas épargné Pharaon, il n'avait pas épargné la fille de Pharaon qui pourtant avait logé Massa. Donc souvenez-vous que Congo agit contre les nations, il ne parle pas des individus. Faites attention à vous. Donc on dit ici, voici, en ce temps-là, je j'irai contre tous tes oppresseurs, les oppresseurs des Bantous. Je délivrerai le boiteux parce qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup de boiteux donc, parmi les Bantous qui ont subi beaucoup de la campagne contre la polio là. Ça a fait beaucoup de Bantous qui sont devenus handicapés, des boiteux, bikata. Quand vous allez au Congo, vous voyez beaucoup de bikata et d'hommes fait une campagne contre la polio qui est horrible, qui a privé nos frères de leur de la motricité de leurs jambes. Donc voilà, les boiteux, je recueillerai tous ceux qui ont été chassés, tous ceux qui sont partis quoi, dans l'esclavage. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils ont été, sont en opprobre. Toujours la honte qu'a subi les Bakongo. En ce temps-là, je vous ramènerai, c'est ce qu'on a dit. En ce temps-là, je vous rassemblerai, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit Congo. Donc, on va s'arrêter là, mes frères et sœurs, parce que on a une grande vidéo à préparer, beaucoup de révélations à donner à notre peuple qui est dispersé. Il fallait qu'on parle de nos captifs, parce que c'est important, et on va revenir un peu plus tard. Mais on a plein de révélations à donner au peuple. Donc, soyez bénis partout où vous êtes, peuple Bantou. N'ayez pas peur. Vous êtes le peuple du Dieu vivant. Il y a toutes les preuves qui sont là. Regardez nos vidéos. Regardez nos premières, nos dernières. Toutes nos vidéos parlent que d'un seul peuple. Voilà.
Seul un idiot attardé, quelqu'un qui... Bon, on ne peut rien faire pour ceux qui sont incrédules. Hein. Si tu es né incrédule, c'est un don de Dieu. Si tu es né crédule, c'est un don de Dieu. Tout vient de Congo. Ok? C'est Congo qui rend personne, une personne incrédule, une personne crédule. Quoi. Donc, voilà. Soyez bénis, mes frères et sœurs Bantou. Mes frères et sœurs Bakongo, que nous aimons beaucoup. Et puis... Soyez attachés au coma, lisez le coma, c'est notre espérance, c'est notre héritage, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc on revient en force avec une vidéo, avec des vidéos pleines de grandes révélations. Vous allez être surpris. Vous allez être surpris de ce que vos oreilles vont entendre. Matoum.